dans 10 dernières années ça yo qui sont passé hein, Haïti vraiment lancé à toute force sur chemin développement. En pile gros organisation internationale accompagné dans façon payo sur chemin ça. Parmi yo, nous gagne Union européenne qui toujours bail financement pour toute une série de projets qui très durable dans pays a. Yo nan pi gros bourad Union européenne bail pays d'Haïti, c'est route nationale numéro 3. Une route qui sortit de Picwa des Bouquets pour arriver jusqu'à Paysien en passant par département Centre. Mais en plus de ça, Libra c'est l'idée avec ministère l'agriculture et puis IIK pour bail jarret à organisation cultivateur qui dans plateau central yo sous affaire mango francicla. C'est comme ça, yo financé un projet pour renforcer filière mango francicla dans 12 communes département central. Donc la motivation principale de l'Union européenne pour financer le projet de l'IIK, c'est le développement d'activités autour de la construction de la route nationale 3 qui relie Port-au-Prince pour l'instant jusqu'à Hinche et ensuite jusqu'à Cap-Haïtien. Donc l'idée était que, bénéficiant de cette route nouvelle permettant le transport de produits agricoles, il fallait donc stimuler la production agricole dans la région pour permettre une augmentation de la valeur produite par la zone du plateau central. Donc aider les producteurs sur des productions comme la mangue, qui permet à la fois d'avoir une production d'exportation, mais aussi qui peut permettre la transformation de la production et l'approvisionnement du marché local. Tout le monde connaît l'importance qu'il y a le secteur fruitier, surtout la production de mangue. La production de mangue française pour le marché local et aussi sur les exportations. C'est le produit principal d'exportation. La filière de mangue confrontait beaucoup de difficultés et justement ce projet a cherché guide ou instrument de solution pour aider que Haïti continue à faire l'exportation et faire l'expansion de cette exportation à l'autre pays de mangue qui est d'excellente qualité. Le projet fruitier, c'est un projet que le ministère de l'Agriculture dans le département Centre. Document projet a été préparé par IIK et il a joué un financement dans l'Union européenne. Après analyse de dossier projet, document et technicien d'Amiens ont fait toute analyse et finalement le projet a démarré ici en 2010, en juillet 2010. Le ministère de l'Agriculture lui-même, en tant qu'institution, et enfin, par biais direction départementale de l'Agricole Centre, après lancement, nous là comme support, comme appui à développer tout au cours de développement projet ça. Faut tout signaler que plateau central là, licencié vient deuxième département qui dans exportation mango. Donc c'est une des raisons que ministère a li grand pile appui et li grand pile travail qui pour fait dans domaine plantation ou bien et production mango francicla parce que là nous voulons marcher vers une production qui plus structurée, qui plus organisée et organiser planteur yo pour nous capables de joindre un output qui est censé et une production qui plus valable pour l'exploitation. Projet Abfoutéa, ce n'est pas la première intervention que le ministère de l'Agriculture et l'IIK fait sous filière mango francicla. Il y a l'autre projet que USAID a financé pour aider l'organisation dans la question vert qui compte gagner dans le mango. Il y a un problème au niveau de mouches et des fruits qui dégagent. Alors, mouches des fruits, il y a un peu de temps pour parler de mango parce que l'IIK pratiquement mettait l'industrie mango en péril. Et il y a des interventions qui ont été faites encore avec l'IIK et avec USAID et USDA. Côté que tu as un programme qui est en place toujours, qui est un programme de trapping, un programme de surveillance pour limiter ou juste contrôler et côté et moucher des fruits à développer et surtout pour contrôler qui ne va pas aller vivre. Et qui ça savait une barre? Ça veut une barre autour ou un embryon de base de données que vous faites qui permet pour qu'il y ait une certaine traçabilité de mangue. Ça veut dire que on a qui a exporté en principe pour qu'on connaisse qui carré et géographique que le sorti et zone ça pour qu'on connaisse si oui ou non son zone qui est affectée
avec mouche de fruits ou pas. L'ICA avait un financement de la USAID, implémentait un programme de contrôle et de surveillance de la mouche de la manque. Un programme qui aidait à les agriculteurs en coordination avec la direction de protection végétale à installer pièces qui permettent de faire un suivi de la mouche qui affecte beaucoup à l'exportation de manque. Et si pas de contrôle, le marché principal qui c'est aux États-Unis, pas de possibilité de la manque Francis Andrea. En conséquence, à partir de cette expérience, nous trouvons un financement de l'Union européenne et le programme focalisait toutes les actions à niveau des plateaux centraux, bas plateau central et haut plateau central. Projet Hop Fruitier, ça, c'est un projet qui gagne trois gros composantes là-dedans. Première composante là, c'est renforcer l'organisation qui travaille dans le département central dans Kilti Mango Fancycle. Deuxième composante là, c'est appuyer production Mango Fancycle. Et puis, troisième composante là, c'est aider l'organisation yo dans la transformation Mango pour FISA qui est toujours disponible pendant toute l'année. Au démarrage du projet, nous avons une phase de sensibilisation organisation qui a travaillé dans la question de production de mango dans le plateau central pour faire comprendre premièrement l'importance de mangoa, qui quantité de quoi bio capable de faire dans le mangoa. Et l'autre bagage encore, c'est que même qu'on a planté mangoa et vaille, un pied mango ici, un pied mango bien loin, on voit généralement les gens qui ont fait verger qui fait des petits vergers, c'est des vergers qu'on a planté puis mango à 10 mètres. Et bien dans quatre projets ça, nous faisons diminuer la distance de plantation à côté que Kounia c'est verger au fait à 5 mètres, nous gagnons une densité de plantation qui bat environ 400 plantules à l'hectare. Nous avons pris formation côté que pour nous capables de planter mango, pour nous planter mango 5 mètres par 5 mètres, nous faisons ça. Et côté que pour nous capables de pour nous capables et planter mango et puis pour nous capables comment pour nous quitter un petit bassin juste pour mango pour capable qu'embé de l'eau pour capable pour joindre de l'eau pour nourrir mango. Bon, là il qu'a avancé le vin joindre nous là. Nous te gonti de déjà sous planter quelques pieds mango français pour faire juste parce que c'est li un petit casse plus gros, bon, li vend un petit casse plus ou moins que l'autre qui est petit, mais pas de bon prise de conscience pour nous être capable d'intérêt faire l'argent tant que il va venir former nous, venir apprendre nos bagages. Là, il va débattre sur nous, dire mon cher, mais, à partir de là, nous prenons conscience là, nous mettons les mains et nous commençons à entrer dans les filières mango français là, qui seront espérance pour la vie paysanne dans la zone là. À part d'activité de établissement de verger que nous produit dans le plateau, il y a une activité sur greffage là, qui est censée une activité qui réussit dans le projet. Donc c'est une activité que le planteur est très satisfait de lui-même et que, qui est censée sensibilisation pour que à l'avenir mon yo bah activité ça plus d'importance de sorte que qui ca aider au améliorer diversifier revenu projet encore li pote en pile appui pour nous comment nous gen membre organisation yo longtemps yo te qu'on a coupé pied mango pour te faire charbon mais journée jodi an ouais par rapport avec formation il ca fait pour refaire nous yo di permettre que greffer ça au marché ca chaque membre association an, et puis li greffer mango pou yo et journée jodi an wapwen moun yo très 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 sensible sous question plantation mango. Nous te gen perspective tout pour nous te fait pour nous entrer dans domaine jus mango là surtout nectar pour mais nous te gen contrainte quelques matériels que nous te gen que nous ta dwe gen tant pou faut nous gen freezer, faut nous gagner un blender, faut nous gagner quelques appareils électroniques pour nous capable entrer dans le domaine jus. Mais à
année ça grâce à Union européenne à travers IIK que nous était venu là, nous était expliqué le problème nous et fait des marches pour nous, nous recevrions le matériel. Nous vamos ça ban moins un an depuis m'a pas accompagné et organisation ça yo. Parmi organisation nous gagnons APDGB, nous gagnons plusieurs activités nous entreprenons avec lui déjà. Par exemple, l'on a regardé là, nous gagnons pépinière ça, nous mettons campé avec APDGB, nous gagnons membres en dans association APDGB côté nous fait mini verger ensemble avec yo et yo recevoir formation, nous former deux pépiniéristes qui pour prendre mettre entretien sous pépinière là. Au niveau commune Mirbalè, nous gagnons 13 organisations, moi-même en tant que ATL, m'a travaillé ensemble avec yo. APDGB, c'est une dans 13 organisations ça que nous gagnons plusieurs activités et ensemble avec yo.